Je pense qu'elles ont été détruites par la peur, en fait, parce que c'était, ça peut être une condamnation de qu'on se retrouve avec une carte comme ça dans la poche. Donc, à mon avis, il y a probablement ces 18 cartes ont probablement été détruites au moment où elles ont été trouvées, je pense. Penso che siano state distrutte per la paura, perché avere queste carte in tasca, queste cartoline in tasca, dopo averle rinvenute poteva corrispondere effettivamente ad una condanna a morte, quindi immagino che siano state distrutte nel momento del rinvenimento. Comunque non ci sono più. Voilà, exactement. Je crois qu'il y en a certaines qui sont exposées. Il y a un musée Hans Falada, et il y en a certaines qui sont exposées au musée de Hans Falada. Je crois que c'est à côté de Berlin. Maintenant, est-ce que la machine a été bloquée par le grain de sable, par les grains de sable? Je pense qu'un grain de sable appelle un autre grain de sable, et tous ces grains de sable ensemble, comme le dit très bien Otto Quangel, a fait qu'à un moment donné, les nazis ont été arrêtés, enfin ont été stoppés. Je pense que le fait que Hitler et les nazis ont été vaincus. En fait, ce qui était de fort pour les Quangel, c'est qu'ils étaient dans la vérité et ils avaient raison, alors que tout autour d'eux leur montrait le contraire. Alcune cartoline credo che siano ancora esposte nel museo di Faladalda, che si trova vicino a Berlino, quindi credo che si possano visionare ancora alcune cartoline lì. Rispetto alla domanda invece sulla macchina bloccata nei suoi ingranaggi, io penso che un granello di sabbia chiami un altro granello a sua volta, e che di conseguenza nell'insieme, così come dice perfettamente Otto Quangel all'interno del film, la macchina può interrompersi perché si continua a insinuare della sabbia nei meccanismi. Ed effettivamente sarà successo probabilmente così, perché Hitler e il nazismo poi sono stati arrestati, e Otto Quangel fa riferimento ai suoi momenti di vita in un modo molto forte, perché è forte del fatto che ci sia in lui la verità. Tutto quello che viene raccontato da queste cartoline, da questi granelli di sabbia, rappresenta la verità. Et puis, par contre, pour les élèves que je salue, ciao, come va? Fatto bene. Ce qu'il faut retenir, je pense, et nous tous d'ailleurs, tous les jours, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de ne pas penser comme tout le monde. Et avoir le courage de ne pas penser comme tout le monde et de suivre son cœur. Infine un messaggio per gli studenti, che il regista saluta lì in fondo, e vuole lanciarvi questo messaggio: non abbiate paura di avere il vostro pensiero indipendente dal resto del mondo, seguite il vostro cuore e non temete di andare controcorrente. No, franchement, je pense que maintenant je peux y aller, je peux avancer. J'ai pu lâcher quelque chose et j'avance, et depuis je suis beaucoup plus prolifique dans mon travail, dans mon écriture. Je me suis senti libéré de quelque chose, c'est assez extraordinaire. Avant, je me sentais retenu, et puis depuis, je me sens libéré. C'est vraiment extraordinaire. No, penso che io adesso possa andare avanti, che possa avanzare nella mia vita. In realtà, dal momento in cui io appunto ho fatto queste ricerche rispetto alla mia famiglia, sono diventato molto più prolifico nel mio lavoro e anche nella mia scrittura. Prima mi sentivo molto trattenuto, invece questa è stata proprio un'esperienza liberatoria, quindi adesso è il momento di andare avanti. Grazie.